Bonjour à tous et à toutes, je suis Vialaxi et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui porte une fois de plus sur le thème de comment gagner de l'argent sur Internet. Tout cela bien sûr simplement, facilement et gratuitement. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un site qui est tout nouveau qui s'appelle Payverse. Payvert, pardon. Donc c'est un PTC, donc un pay to click pour ceux qui connaissent. Sauf que celui-là change pas mal de la plupart des autres PTC que vous pouvez connaître, comme par exemple Neobux ou Probux ou tous les autres, qui eux ne payent vraiment pas grand-chose, hein. C'est-à-dire déjà si avec les autres vous arrivez à attirer quelques petits centimes d'euros par jour, c'est déjà bien. Alors que franchement, là avec Payvert, il y a de bonnes opportunités et vous pouvez facilement gagner au moins 1 $ par jour, très facilement. Et même une fois que vous serez rendu au stade maximum, vous pourrez générer environ 15 $ par jour, il me semble. Donc bon, bref, je vous expliquerai tout à l'heure comment il marche. Mais avant de commencer, il nous faudra un site web. Donc pour cela, rien de plus simple, on va créer notre site web. Donc, il faudra aller sur Weebly, donc le lien sera dans la description. Vous rentrez votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe, vous faites commencer. Et une fois que cela est fait, vous arriverez sur cette page. Donc, il vous demande sur quoi vous intéressez le plus, donc vous mettez site. Il vous demandera de choisir un thème. Je tiens à préciser. Pardon. Je tiens à préciser que ce site n'est vraiment pas important, c'est juste qu'il en faut un. Donc, je sais pas, vous choisissez n'importe quel thème. Ouais, voilà, lui, il est sympa. Donc, vous verrez par la suite pourquoi il faut absolument un site web. Je ne fais pas ça pour le plaisir. Donc, voilà, vous faites utiliser un sous-domaine de Weebly. Voilà. Comme nom, vous mettez ce que vous voulez. Vous choisissez un thème dans votre tête pour votre site, parce qu'il faudra quand même mettre un ou deux trucs dessus, vite fait. Donc par exemple, si on veut faire un site, je sais pas moi, sur allez, les pandas, donc on met par exemple panda, donc c'est déjà pris panda 01, panda 010, voilà, panda 010. Donc vous faites continuer, vous faites bon, construire mon site. Donc vous pouvez ajouter un peu de texte. Donc vu que mon site va porter sur les pandas, on va aller là, on va taper blog panda. La fiancée du panda, voilà, c'est quoi ça? Ok, non, c'est pas du tout en rapport avec les pandas. Bon, on va chercher panda, tout court. Voilà, panda Wikipédia. Allez, on copie tout. On colle ça dans le texte. Et on va même rajouter une petite image de panda. Ah, je me suis loupé en l'ajoutant. Donc, dans images, on clique sur photo. À partir de l'URL, on va prendre celle de Wikipédia. Copier l'adresse, voilà. On colle ça là, on insère. On va mettre un joli panda tout gros.
Voilà. Dans à propos, on va mettre du texte. Non, même pas. Ici, on va mettre je suis un panda. Mangeur de bambou, voilà. Et dans contact, ici, entrer en contact avec moi, voilà. On va rajouter juste une autre image. Ah, celle-là est marrante. Donc, copier l'adresse. Donc, image, où est-ce que c'est? C'est là. Ah, faut croire que j'en avais déjà mis une. Bon, c'est pas grave. À partir d'un URL, on insère. Au passage, je supprime le deuxième. Voilà. Maintenant, vous avez un magnifique site sur les pandas avec un thème de New York en arrière-plan, ce qui est magnifique. Mais ça, c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai mis des pandas. Ah, voilà. J'ai pris le panda comme exemple, hein, mais vous prenez absolument ce que vous voulez. Il faut juste avoir un peu de contenu sur son site pour ne pas le laisser vierge. Donc là, panda. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait votre petit site en 2-3 minutes, vous cliquez sur publier. Donc là, vous vérifiez bien que ça soit coché utiliser un sous-domaine de Weebly, donc là, panda 010. Hein. Vous cliquez sur continuer. Vous sélectionnez le type de site web, donc ici. Personnel. Voilà. Confirmez que vous n'êtes pas une machine. Ok, publier mon site. Et donc voilà, votre site est publié. Vous pouvez fermer la fenêtre. Et si on va dans mes sites. Voilà, on voit bien le site qui s'appelle d'ailleurs mon site, ce qui est bizarre. Personnel. Et donc, Panda 010, hein. Voilà. Donc, maintenant que vous avez votre site, on va passer à la chose la plus importante, qui est PageVert. Donc, vu que l'inscription au début, il ne faut pas faire comme par la suite, je vais me recréer un compte. Mais faites attention à ne pas faire un compte sur la même IP parce que sinon, ils vont vous bannir. Donc, personnellement, je vais utiliser mon VPS pour m'inscrire une deuxième fois. Donc, je précise que le lien de PayVert sera bien entendu dans la description. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez dans Créer ta compte. Donc oui, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Pardon, le nom d'utilisateur. Donc, panda010, j'aime bien. L'adresse email, vous mettez une adresse email valide. Donc moi, je mets une de mes adresses email poubelle. Non. Voilà. Donc, dans votre date, mettez de sorte à ce que l'année de naissance fasse que vous ayez au moins 18 ans. Donc, moi, par sécurité, je mets tout le temps 1992. Qui est là.
Donc oui, il vous redemande de confirmer votre date d'anniversaire, et ça, si c'est pas votre vraie date, il faudra le marquer à un endroit, car si vous voulez retirer du cash avec Payvert, il vous demandera votre date de naissance, donc surtout ne l'oubliez pas. Voilà. Voilà, donc vous cliquez sur Open Account. Et donc voilà, vous arrivez sur cette page. Donc, il vous mettra activer votre compte. Vous recevez votre compte. Seuls les comptes actifs reçoivent des pubs. Donc, vous cliquez sur View Activation Ad. Donc, il vous enverra sur une petite fenêtre comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est copier le texte des cases pour les remettre ensuite. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas tout le temps comme ça par la suite. Donc, ensuite, vous faites Proceed to Advertiser Website. Vous attendez 30 secondes. Bon, désolé de ce petit blanc, mais voilà. Non. Donc, vous cliquez sur Confirme ensuite. Allez. Bon, désolé, ça rame un peu, hein. Ensuite, vous pouvez fermer la page une fois qu'il y a marqué Completed. Donc, il vous met Success, voilà. Ensuite, vous allez sur Paid Ads. Paid Ads, pardon. Donc là, vous voyez, il vous met que vous avez 100 bonus Ad Points que j'appellerai BAP ou BAP. Donc pour bonus Ad Points. Donc, chaque fois que vous visitez un lien qui vous rapporte des BAP, donc 100 BAP, votre compte sera actif pendant 7 jours. Ça veut dire que pendant 7 jours, il pourra recevoir des pubs parce qu'après, comment expliquer? Bon, déjà, une fois que vous avez fait. Non, comment dire? Bon, bref. Chaque lien BAP vous permet d'activer votre compte pendant 7 jours. Et donc les jours ils s'additionnent. Donc vu qu'au début vous avez 5 liens de BAP, ça fait 35 jours d'activation. Et donc tous les jours vous aurez vos 5 liens de 100 BAP à faire. Donc vous dites pourquoi prendre son temps à faire les liens d'activation s'ils servent juste à activer le compte et qu'il est déjà actif pour 30 jours. Enfin 35. Eh bien, ces BAP, ils vont vous servir à tout dans ce site. Car plus vous avez de BAP, plus vous recevez de pubs payantes. Donc là, je pense que pour que ça soit plus clair, on va passer sur mon vrai compte. Donc au début, vous avez juste à faire vos liens BAP. Donc voilà, mon vrai compte, à moi. Donc on peut voir sur ma balance que j'ai 1000, non, pardon, 11 776 bonus points. Et donc, c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et mon compte est actif pour je ne sais pas combien de jours d'ailleurs. Mon compte, lui, est actif pour, voilà, pour encore 101 jours et 23 heures. Donc, voilà. Donc, ta ta ta, ça c'est fait. Donc, oui, les bonus high point. Donc, plus vous en avez, plus vous recevrez de publicité.
Donc là, vous pouvez voir que j'ai eu encore plein de pubs à regarder, donc des pubs qui ne rapportent pas énorme, 0,02 $, donc c'est vraiment rien. Mais si on regarde de plus près, elles ne rapportent pas toutes le même prix. Voilà. Et il y en a comme celle-là qui peuvent vous rapporter 7 centimes de dollars. Et pour le moment, sachant que j'ai commencé il y a 2 jours, la meilleure que j'ai eue m'a rapporté 22 centimes de dollars. Et on peut voir que sur mon compte, j'ai déjà gagné 1 dollar. Un peu plus. Donc oui, les bonus points. Vous pouvez en recevoir, enfin vous en recevrez 5 par jour qu'il faudra absolument faire. Si vous ne les faites pas le jour même où ils apparaissent, ils disparaîtront le lendemain pour laisser place à 5 nouveaux liens BAP. Et donc, plus vous avez de bonus points, plus vous recevrez de publicité sur votre compte. Et donc, plus vous pourrez gagner d'argent. Et plus vous avez de chances aussi d'obtenir des, en guillemets, grosses publicités comme celle-là qui vous font rapporter 7 centimes de dollars. Donc voilà. Ah oui, il faut aussi savoir que un BAP, ça vous permet d'obtenir, enfin, comment expliquer? C'est un peu spécial leur système. Donc ça vous permet d'obtenir des jours d'activation pour votre compte, d'obtenir plus de publicités à visionner et d'obtenir des publicités qui rapportent plus en les visionnant. Mais les bonus points aussi, ils disparaissent au fur et à mesure, ils sont consumés dans les publicités. Car chaque publicité qui apparaît ici et qui vous fait rapporter de l'argent, vous ponctionne des BAP. Chaque BAP, donc un BAP, peut vous donner, enfin, vous procure une publicité de 0,0005 $. Et vu qu'il y en a 500, vu que vous en gagnez 500 par jour, ça fait qu'au maximum vous pourrez gagner 0,25 $ par publicité, juste avec vos BAP journaliers. Donc ce n'est pas beaucoup, c'est sûr, mais c'est déjà ça. Donc le conseil que je vous donne, c'est de garder le maximum de BAP. Et si jamais vous êtes chanceux, vous pouvez aussi les dépenser dans l'onglet Games. Avec par exemple le coin flip, mais c'est très variable, donc faites attention à ne pas tout perdre, ça serait assez dommage. Donc voilà. Donc si vous vous contentez de ça, vous ne gagnerez strictement rien à part une perte de temps. Maintenant, attaquons-nous au côté intéressant de la chose. Une fois que vous avez dépassé les 2250 bonus points sur votre compte, il faudra acheter dans mon compte, vous y accédez dans My Account, une upgrade qui s'appelle Recycleur Pro. Donc, ça a cette tête-là sur un compte qu'il n'a pas déjà. Voilà, ça vous coûtera 0,05 $, donc vous les avez largement grâce aux publicités gagnées. Donc, comme méthode de paiement, vous choisirez votre compte Payvert. Et donc, en gros, pour 0,05 $, il vous enverra 1 $ de publicité recyclée. Donc, vous allez me dire recycler, mais pourquoi recycler? Eh bien, parce qu'en fait, quand on regarde les publicités de plus près, on remarque qu'il y a un compte à rebours. Chaque publicité qui est dans votre espace client apparaît pendant 18 heures. Si au bout des 18 heures, vous ne l'avez pas effectuée, elle disparaîtra et vous ne pourrez plus jamais la refaire. Et elle sera envoyée justement aux gens qui ont acheté l'amélioration Recycleur Pro. Donc l'idéal pour éviter de sauter des publicités,
C'est de se connecter ne serait-ce que 2 fois par jour pendant 10 minutes, histoire de pouvoir les faire et d'éviter de faire perdre ces précieuses publicités. Et donc voilà. Donc oui, c'est quand même assez profitable, car pour 0,05 dollars de votre compte Payvert, il vous enverra un total de 1 dollar de publicité. Et donc moi, on peut revoir que, on peut, pardon, on peut voir tout court que sur mes 0,05 dollars investis, c'est déjà largement rentabilisé, étant donné qu'ils m'ont déjà envoyé 50 centimes de publicité. Donc voilà. Si on s'arrête là, encore ça va être assez difficile de gagner de gros profits, ou alors ça va prendre assez longtemps. Donc la technique réside dans ce petit onglet qui s'appelle Buy Ads. Une fois ça, donc oui, une fois que vous aurez accumulé 1 dollar sur votre compte, ou alors aussi vous pouvez investir en payant avec de l'argent que vous avez déjà, ce qui ira beaucoup plus vite et qui potentiellement vous rapportera beaucoup plus. Donc je vous dis vite fait juste avant. Donc cette méthode permet de gagner à peu près 1,5 fois ce que l'on met en jeu. Donc si on envoie 1 dollar, on récoltera 1,5 dollar. Si on envoie 10 dollars, on récoltera 15 dollars, si on envoie 100 dollars, on récoltera 150 dollars, enfin bref. Voilà, c'est une multiplication par 1,5. Donc, dans Buy Ads, il y a marqué Create Campaign. Vous allez dire, mais pourquoi créer une campagne? Ça sert strictement à rien. Eh bien, si. Car pour chaque achat de 1 dollar, donc ils enverront 50 visiteurs sur votre site web. Donc d'où l'intérêt d'avoir créé un site web avant parce qu'il en faut un à nous. Ensuite, donc voilà, les gens devront copier 3 lignes pour aller sur votre site web. Ils pourront également pour ce prix-là afficher des bannières que vous choisissez. Et donc en plus des 1 dollar, il vous offre 3100 BAP, donc bonus point. Et donc, pour savoir le bénéfice que vous vous faites, donc vous investissez 1 dollar et il vous donne 3100 BAP. Pardon. Donc 3100 BAP. Et comme un BAP est égal à 0,005 dollars, ça vous fait 1,55 € de pubs qui apparaîtront ici. Donc oui, c'est assez rentable. Personnellement, j'ai déjà investi. Je ne saurais pas combien vous dire en euros, mais j'ai acheté 4 packs de campagne. Ou plus. 4-5, oui. Et donc, je les ai achetés hier soir et en une journée, je me suis déjà fait 1 dollar. Donc, sur 4-5 dollars investis, et encore, il me reste 11 000 BAP. Donc, ça me fait encore beaucoup à gagner. Donc, c'est assez rentable, profitable et c'est rapide. Donc, oui. Vous pouvez créer votre campagne, voilà. Donc, moi, il me propose de réutiliser une campagne, mais je vais vous montrer. Donc, entrez l'URL d'un site web. Donc, vous mettez votre site web qu'on a créé au tout début. Donc, dans notre cas, c'est. Non, c'est pas celui-là, pardon. C'est Panda. Panda, je sais plus quoi. Non, ça, c'est mon vrai Weebly. C'est Panda et des broussailles. Donc voilà, vous copiez ça et vous le mettez ici. Dans Upload your 125 x 125 bannières, vous pouvez créer votre propre bannière. Et pareil pour là. Mais si vous n'en avez pas, vous cliquez sur Hop
sur OPT out. Donc voilà, ça ne change strictement rien à part qu'il ne vous affichera pas de bannière. Donc, et ensuite vous mettez, vous choisissez les trois lignes de code que les gens devront recopier pour accéder à votre site web. Donc, si c'est sur les pandas, vous mettez par exemple dans la première Bamboo is life, Panda is beautiful ou dans la 3 ce que vous voulez. Et ensuite, vous sélectionnez votre mode de paiement. Donc, soit PayPal, Perfect Pay, EgoPay ou Solid Trust. Donc, oui, si vous payez par PayPal, il ne vous fera pas payer 1,37$, mais. Pas 1$, mais 1,37$. Il prend 37$ de taxes. Donc, en fait, la technique, c'est au début, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par là. C'est passer par PayPal. Et donc, acheter si possible une dizaine de packs. Donc, comme ça réduit nettement, enfin, le maximum de packs. Parce que vous voyez que pour un pack, il y a 37$. Et pour 10 packs, il n'y a que 95$. Donc, plus vous choisissez d'acheter de packs, plus les frais de commission sont moins élevés par rapport à la masse. Et donc, on voit que par jour, on peut acheter maximum pour 11$ de pack. Mais actuellement, ma limite est de 6. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Donc, moi, je vais réutiliser ma campagne sur mon propre site. Donc voilà, j'ai mis mes petites bannières que j'ai créées. Voilà. Et donc je vais acheter cette fois-ci avec mon compte Payvert. Voilà, je cherchais le nom. Donc, si vous ne voulez pas investir un rond, c'est ce qu'il faut faire. Vous ne faites que réinvestir les trucs de paye verte là-dessus. Et je clique sur pour Chase. Oui, parce qu'au passage, vous verrez, il n'y a 0$ de frais. Donc, c'est quand même pas trop mal. Donc, voilà. Et il apparaît dans ma campagne, ici. Et si je vais dans mon compte, enfin, si je regarde mon compte. Bon, il m'a bien enlevé mon dollar. Et maintenant, j'ai 14 000 bonus points. Et donc, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre que de nouvelles publicités arrivent. Tranquillement. Par contre, au début, ne vous inquiétez pas, vous ne recevrez pas énormément de pubs. Si déjà vous arrivez à en avoir une dizaine par jour, c'est bien. Enfin, personnellement, c'est ce que j'ai eu le premier jour. Et là, aujourd'hui, en un jour, j'en ai eu à peu près 120. Et il me reste encore 57 à faire. Oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Pour faire les pubs payantes, c'est exactement comme les BAP, hein. C'est-à-dire, vous cliquez sur View, Bonus, Add. Vous collez le texte, vous cliquez là-dessus, vous attendez 30 secondes, vous cliquez sur Complete et vous revenez là. Et donc, tout ça, c'est très bien. Donc, vous pourrez très facilement faire des profits. Normalement, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, vous gagnerez 1,5% de vos... non, pardon. Vous multiplierez votre investissement par 1,5. Et pour retirer l'argent... Vous allez dans Cash Out Earnings. Vous choisissez ce que, enfin, l'endroit d'où provient l'argent, donc ici de Payvert. Vous cliquez transférer vers PayPal. Enfin, vous choisissez PayPal ou ce que vous voulez. Donc, vous pouvez directement sur votre compte, plein d'autres choses, voilà. Date of birth, voilà, il vous redemande votre date d'anniversaire. Vous cliquez sur Submit. Et vous recevrez votre paiement sous 3-4 jours.
Personnellement, vu que je viens de commencer, je n'ai pas encore de preuve de paiement, mais vous pouvez aller voir sur internet. Bien que ce site soit nouveau, déjà plein de membres ont été payés. Donc c'est assez sympathique. Et en plus, il fait partie de MyTrafficValue, Value, qui est un site très connu pour ses différents services. Et vous pouvez voir au passage l'historique du site. Enfin, par là j'entends plus, voilà, les résultats de MTV. Et vous pouvez voir que hier ils ont généré 1000 euros de revenus, dont 89 dollars avec paye verte. Donc le site est largement rentable pour eux dans l'ensemble. Et donc ça veut dire qu'ils continueront de le payer. Et c'est une communauté qui a pas mal de fonds, donc ne vous inquiétez pas pour ça, ils auront toujours de quoi payer. Donc voilà, 57 pubs à voir, c'est bien, mais c'est ennuyant, surtout pour des petites sommes comme ça, hein. Donc on va utiliser un script. Donc, qu'est-ce qu'un script? Eh bien, c'est... Ouais, en gros, c'est une sorte de petit programme qui va répéter des actions en boucle. Et donc, qui va vous permettre de voir vos pubs en boucle sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, pour ce faire, il vous faudra télécharger Firefox comme navigateur Internet. Une fois que vous avez Firefox, vous recherchez iMacro dans Google, vous prenez le premier lien. Et vous faites télécharger maintenant et ajouter à Firefox. Moi, c'est déjà fait. Donc voilà. Une fois qu'il est téléchargé, vous fermez Firefox. Puis vous allez dans vos fichiers. Donc je le refais. Vous allez dans vos fichiers. Ensuite, vous allez dans Documents. Puis, vous allez dans le dossier iMacro. Macro. Et donc, dans la description, je vais mettre le lien de téléchargement du petit macro. Vous le téléchargez et vous le copiez dans ce dossier macro ici. Une fois cela fait, vous retournez sur Firefox, vous vous connectez sur PayVert, vous... Non, vous n'avez rien à faire une fois que vous êtes connecté. Donc voilà, une fois que vous êtes sur PayVert, connecté, tranquille, vous cliquez sur le petit dossier bleu avec le rouage jaune. Et là, sur la fenêtre, sur le côté, vous devrez voir un petit script qui s'appelle PayVert by Vialaxy.iim. Donc, ce script va lancer une seule fois l'exécution du visionnage d'une publicité et il prendra la première ici. Et donc, pour éviter de faire laguer le serveur de PayVert, le script, vous devrez rentrer manuellement combien de publicités il doit visionner. Et franchement, ne le laissez surtout pas tourner en boucle, car si tout le monde fait ça, ils vont mettre une protection contre les scripts comme ça, et ça ne marchera plus, ce qui serait assez dommage. Donc voilà. Vous regardez dans Pay Ads quel est le chiffre entre parenthèses. Donc ici 58. Ensuite, vous sélectionnez PayVert by Vialaxy. Dans Rejouer la macro, dans Actuel, donc vous laissez 1, vous ne pouvez même pas le changer. Et dans Max, vous mettez 58. Vous cliquez sur Jouer entre parenthèses répéter. Là, vous verrez que votre navigateur va commencer à bouger tout seul. Donc là, voilà. Vous voyez, il copie le texte tout seul, comme un grand, parfaitement.
Voilà, il attend les 30 secondes. Enfin, il attend un peu plus parce que si votre connexion d'ordinateur lag, ça risquerait de faire planter le script. Donc là, il attend. Et donc oui, quand ça tourne le script, vous pouvez laisser tourner votre ordinateur. La seule chose qu'il faut faire, c'est ne rien faire sur Firefox. Si Firefox est votre navigateur par défaut préféré, le temps que le script tourne, fermez tous vos onglets sauf Paye verte et laissez-le fonctionner. Sinon, ça risque d'entrer en conflit et tout, donc voilà, il a cliqué sur compléter. Et donc là, voilà, il m'en reste plus que 57 à faire. Et il va les faire tout seul. Donc, je l'arrête. C'en est fini de la partie macro. Script. Par contre, je pense que je vais bientôt en mettre un autre, beaucoup plus performant, qui pourrait, j'espère, faire tout seul sans faire laguer les serveurs. Et en étant bénéfique pour vous et sans risque de crash. Donc pour ce faire, vérifiez régulièrement mon site internet ainsi que ma chaîne YouTube, car je pense que d'ici 2 semaines, 1 à 2 semaines, on est le 29 mai, oui, non, mai ou avril? Avril, oui, je publierai un autre script, et donc il faudra sûrement l'installer pareil macro encore. Mais sinon, voilà, vous vous connectez 2 fois par jour, vous faites tourner le script, vous achetez le truc recyclé dans My Account dès que vous pouvez, et vous allez dans Buy Ads dès que vous pouvez, dès que vous avez 1 dollar ici, ou vous pouvez investir vous-même, hein. Vous achetez des campagnes publicitaires. Voilà, et donc après, vous n'avez plus qu'à retirer l'argent dans le cash out. Voilà, qui est là. Là. Et donc, oui, aussi, il y a des... Je crois qu'il y a aussi 30 centimes de frais par PayPal pour chaque reversement d'argent. Donc, évitez de faire ça avec des petits montants comme 1 dollar. Autant les mettre là-dedans pour en obtenir plus. Et donc voilà. Ce tutoriel est fini. Si vous avez des questions, vu que je n'ai pas souvent été très clair dans la vidéo, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou vous pouvez me contacter sur Facebook, sur Twitter, par mon site web ou par email. Voilà. Au revoir tout le monde.